Dans deux semaines, l'Assemblée des Assemblées à Montceau-les-Mines. Voilà, on vous fera un retour de ce qui s'y est passé. Sachez qu'aussi les samedis, du coup avant la manif, si vous voulez un peu participer à l'organisation du mouvement, venez samedi à 11h30 sur l'esplanade Charles de Gaulle. C'est le moment où on parle des commissions, des dates, des actions, des formations. Monsieur l'agent, vous avez peut-être remarqué que quand vous n'êtes pas déployé en ville, ça se passe très bien en fait quand vous n'êtes pas là. Effectivement, ce n'est pas des CRS. Bonne remarque, parce que les CRS font beaucoup moins bien leur travail de maintien de l'ordre que la gendarmerie par exemple. Mais en tout cas, ils sont là pour défendre la patrie. Ils ne sont pas là pour défendre le gouvernement. La violence, c'est la violence subie par 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, dont 3 millions de mineurs. La vraie violence, c'est 35 000 morts de l'amiante entre 65 et 95. La vraie violence, c'est les inégalités dans l'éducation, avec 17 000 écoles publiques qui ont fermé depuis 1980. La vraie violence, c'est 4 millions de mal logés en France, dont 140 000 sans domicile fixe. 3 millions de logements vacants en France, donc plus de logements vacants que de gens dans les rues. La vraie violence, c'est les morts retrouvés dans la rue. 500 morts chaque année, bordel de merde. Ça vous indigne pas? 500 morts dans un des pays les plus riches du monde. La vraie violence, c'est 2 millions de personnes qui reçoivent l'aide alimentaire, dont 70% qui sont des femmes. Ça, c'est la vraie violence. La vraie violence, c'est 436 000 allocataires du RSA avec un minimum vieillesse de 860 euros pour une personne seule. Les personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui finissent comme ça. Ça vous indigne pas, ça? Vous trouvez pas ça violent, messieurs? La vraie violence, c'est l'évasion fiscale, soit un vol de 100 milliards d'euros chaque année par quelques-uns au détriment de tous, de l'éducation par exemple, ou de la santé. 100 milliards d'euros. Vous imaginez le nombre d'heures sup qu'on pourrait vous payer avec ces 100 milliards d'euros? Excusez-moi, je ris jaune, hein. Tout ça pour vous dire que la violence, elle est institutionnelle et que nous, on ne fait que réagir à cette somme d'inégalité, d'injustice. Et en fait, nous, c'est la deuxième violence qui est révolutionnaire. Et de cette violence, l'État, qui lui-même a créé les conditions de cette deuxième violence, il envoie vous, qui êtes la troisième violence, la violence policière. Donc voilà, j'espère que vous vous poserez des questions. Parce qu'ils sont en train de nous préparer le chaos. Macron et sa compagnie, là, ils sont en train de détruire toute la vie sur cette planète avec leur ordre ultra-libéral. Donc peut-être que vous en avez rien à foutre de tout ça, mais peut-être que vous avez des enfants aussi. Donc ce serait bien aussi de se poser des questions sur quel monde vous allez laisser aux enfants. Et vous pensez franchement que le monde que Macron va lancer à nos enfants est soutenable, est enviable, est souhaitable? Le terrorisme, c'est du pipi de chat à côté de la pollution qui tue 40 000 personnes chaque année. Les suicides aussi, ça fait 10 000 morts chaque année en France. 10 000 personnes qui préfèrent ne plus exister plutôt que de vivre dans ce monde de merde avec la Macronie au pouvoir et des gens comme vous qui défendez ça.
ça vous fait quoi? Alors me dites pas que c'est les ordres et que c'est pour ça que vous êtes payé, parce que j'en connais à Auschwitz-Birkenau qui avaient les mêmes discours. Je sais pas, j'ai rien contre les forces de l'ordre, j'ai quelque chose contre l'ordre qu'elles défendent, parce que cet ordre-là, il est en train de détruire la vie, et ça c'est insupportable, et vous devriez mettre vos gilets jaunes rien que pour ça, les amis.50 suicides par an dans la police, un taux deux fois plus élevé que dans la moyenne de la population. Merci de filmer, j'espère que vous montrerez cette vidéo au préfet pour qu'il s'informe sur les chiffres. En 2018, 5 morts en service, 29 suicides. La dernière était la capitaine de police au commissariat central de Montpellier. Avec le LBD, vous voulez mater la rébellion, mais vous suscitez l'indignation et la contre-attaque. Le LBD est une arme intermédiaire qui n'a rien à faire dans une mission de maintien de l'ordre. C'est une répression objective. Il y a eu des centaines de blessures à la tête. 9200 tirs de LBD. Vous ne me ferez pas croire qu'il y a eu 9200 tirs de LBD pour de la légitime défense. Il y a forcément eu de l'attaque dans ces 9200 tirs. Il y a forcément eu de la répression objective, directe, agressive. Donc voilà comment ça se passe, il y a la politique des quotas pour la police, le préfet qui met du chiffre pour faire plaisir à Castaner, le commissaire qui met la pression sur les officiers qui mettent la pression sur la base, et la base qui se met la pression entre eux. Voilà le magnifique monde de la République au XXIe siècle. J'espère que vous avez pris note de ces statistiques. Va falloir, on se devait de vous les donner parce que c'est sûr que c'est pas en école de police qu'on va vous dire ces choses-là et c'est pas Jean-Pierre Pernaut au journal d'information qui vous parlera de tout ça. Donc c'était un plaisir de vous en parler. Merci.